Ça va bientôt faire 5 ans que ma frangine a débarqué, accompagnée de son amant, avec qui elle est maquée, pour m'annoncer sans détour, je vais être maman dans 6 mois, ajoutant avec humour que le tonton c'était moi. À l'annonce de la nouvelle, j'ai complètement paniqué. Vu le choc émotionnel, je pouvais plus communiquer. Ça chamboulait mon avenir, ça allait changer ma vie. Sans que j'aie eu mon mot à dire, sans qu'on me demande mon avis. Il devrait y avoir des lois pour protéger les grands frères, surtout ceux de bonne aloi, pas encore prêts pour l'enfer. J'ai rien contre les gamins, mais je sentais que bientôt une sorte de diablotin allait me rendre marteau. Devenir tonton, bonjour l'arnaque. Ça tombe dessus et tu prends une claque. T'es comme un oiseau tombé du nid, qu'attend inquiet l'arrivée des ennuis. J'échapperai pas au week-end à jouer les babysitters, pour m'occuper qu'à l'aubaine du lardon de ma sister. Les biberons à préparer, le nez plongé dans les couches. Je me sens pas du tout paré à ce que ses parents découchent. J'aurai le droit, j'en suis sûr, aux caprices de ce marmot, dans le métro ou en voiture, parce qu'il veut un esquimau. Et aussi, c'est évident, au passage obligatoire, où il s'éclatera les dents, en tombant d'une balançoire. Il faudra que je me lève à l'aube, pour le conduire à l'école, en le portant sur mes épaules, pour soulager ses quiboles. Que je surveille mes manières, que j'arrête de dire des gros mots, et que je mette dans ma tanière un placard pour mes pornos. Devenir tonton, bonjour l'arnaque. Ça tombe dessus et tu prends une claque. T'es comme un oiseau tombé du nid, qu'attend inquiet l'arrivée des ennuis. Le jour où il a débarqué, fripé comme l'impère de Colombo, j'ai commencé par me braquer en me disant qu'il n'était pas beau. Mais quand il a ouvert les yeux, il avait déjà l'air plus humain. J'ai vu son regard malicieux et j'ai craqué pour le chérubin. En fait, depuis qu'il est né, ma vie n'a rien d'un calvaire. Ça m'a un peu étonné, mais je l'adore et j'en suis fier. Lui et moi, on est complices et on fait les 400 coups. Pour ces vieux, c'est un supplice. Deux enfants, ça fait beaucoup. Moi qui n'aurais jamais cru devenir un tonton gâteau, s'il y a une nouvelle recrue, je suis illico presto. Même que des fois, j'imagine comme ils sont bons bricoleurs, que mon beauf et ma frangine lui fabriquent une petite sœur. Devenir tonton, c'est pas l'arnaque, aucune raison d'être paranoïaque. Et si ça transforme un peu la vie, c'est que du bonheur et j'en suis ravi. Devenir tonton, c'est pas l'arnaque, aucune raison d'être paranoïaque. Et si ça transforme un peu la vie, c'est que du bonheur et j'en suis ravi. Devenir tonton. Devenir tonton. C'est pas l'arnaque.